Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum à tous. Monsieur le maire de Bonin, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'imam de Bonin, monsieur le rabbin, chers invités, les associations, monsieur le consul, permettez-moi de vous lire quelques versets au nom du comité musulman de France. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله عز وجل nous dit dans ces versets chers fidèles chers compatriotes Dans ces versets coraniques, Allah Azzawajal fait un appel à tous les croyants, sans exception. Il dit, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Ensuite, Allah Azzawajal nous dit, cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Allah Azzawajal nous conseille d'être réunis, de ne pas être divisés. Ensuite, il veut qu'on soit une communauté qui appelle au bien, qui ordonne les convenables et interdit les blâmables. Une communauté qui lutte contre toute forme de division, qui peut fragiliser notre lien humain et fraternel. Mes chers compatriotes, notre divergence d'opinions et d'idées doivent être bénéfiques pour notre société et ne doivent pas être un frein pour notre vivre ensemble. Nous avons besoin de l'effort de chacun et chacune pour avancer et aller de l'avant. L'union est notre force et la division est notre faiblesse. Vive la paix et vive la Mali, et le Mali. Je vous remercie. Merci, M. Malik Soukouna, au nom des confessions musulmanes et maliennes en France.